Et les gens, bienvenue. Oui, je me trompe. Bienvenue, gens. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle rediffusion de live sur le jeu. Prison Architect, donc vous êtes frappé, c'est jeu.fr ou sur mon blog 103.fr au choix. Du coup, c'est parti pour un tour. On est sur Prison Architect sur PC avec vous comme prisonnier. Nous avons vu il y a quelques secondes que Mirage avait réussi à sortir de cette prison par la voie de la loi. Hein. C'est-à-dire qu'elle a réussi à s'en sortir, elle a réussi à prouver qu'elle avait de la valeur. Hein, chose qu'on savait tous, hein, mais du coup, là, elle a vraiment réussi à nous montrer que. Voilà quoi, elle méritait d'être libre, elle a pu sortir. Mirage est libre. On est donc à 24 sur 25. Enfin, 24 sur 25, on était 25, on en reçoit 5 par jour. Là, on est désormais 24 sur 26. Il y a 26 places libres. Donc, voilà. Tout simplement, hein. Pardon. Les nouveaux arrivants vont débarquer. Mais du coup, maintenant que Mirage est plus là, c'est plus la même chose, si. On est pile à 50% pour les deux jours. Donc le prochain coup, ce sera 3 repas. Non, mais ça commence vraiment à augmenter. Se plaignent sérieusement besoin. La chaleur, il fait trop chaud. Ils en peuvent plus, ils ont vraiment tous trop chaud, quoi. Hygiène. Ils vont pouvoir tous prendre des douches, là, bientôt. Ah, mais il faut que je mette là, c'est la pièce douche. Douche. Voilà. Ok, bonne nuit, Gabriel. Fais de beaux rêves, prends soin de toi et à la prochaine. Merci d'être passé encore une fois. Puis bon courage pour demain. Les nouveaux arrivants vont être là, va falloir quitter la partie pour pouvoir changer les noms. J'avais dit qu'on ferait un parloir, n'est-ce pas? Oula, qui c'est? Qui c'est? C'est Adrien. Adrien et Isa. Isa qui nous pute une crise là. Isa est blessée, mauvaise conduite, tentative d'évasion. Tentative d'évasion, il y a une tentative d'évasion de la part d'Isa. Possession d'armes. Et on a fouillé leur cellule. Isa a tenté de s'échapper, tout comme Adrien, qui est inconscient. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est affreux. Nous avons 2 tentatives d'évasion pour le prix d'une. On a fouillé toutes les cellules des concernés. Non mais attendez... Qu'est-ce qui se passe là, il s'énerve. Je crois qu'on a plus assez de gens là. Déploiement personnel. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont vraiment énervés ou... Lui il veut des trucs de luxe et lui il veut de l'alcool. Non mais c'est terrible, il va falloir se mater ce petit monde là. Eh bien, eh bien. Et nouveaux sont arrivés d'ailleurs, les nouveaux sont arrivés, je les ai même pas vus débarquer. Gabriel qui est donc assommé. On est en train de fouiller tout le monde, d'accord. Je pense qu'on va essayer de fouiller tout le monde hein, quand même. Même si les gens sont pas contents. Il va
falloir calmer tout ce petit monde. Bref, du coup, on va sauvegarder la partie. Sauvegarder prison. Hop, live, sauvegarder. Et on quitte pour aller s'occuper des nouveaux venus. On actualise ceci et éditer. S'il te plaît, éditer avec Notepad. Donc, rechercher. Ctrl F. Prisoner. Je crois qu'il faut que je remonte. Par si je me suis trompé, hein, mais on va aller voir jusqu'où ça va. Je pense qu'il faut que je remonte. Je repars là. Gabriel. Suivant. Inposama. Suivant. Nemesis. Suivant. C'est pas pratique après de retrouver les bons. Suivant. BG. Ça les classe dans le désordre en fait. C'est tellement pas pratique. Aria. Sulive. Mimala. DJ Phantom. Grégory. Tartine. Ah, on y est. Prisoner, là on a Kyomaru. Là on a Andrea. Là on a Nico. AGF. Normalement le prochain devrait être le bon. Voilà, le prochain. Donc là on a Joey qui deviendra allez, Mephisto. Suivant. Ensuite, là, on a Up. Lui qui deviendra Cald. Suivant. Là, on aura lui qui deviendra Dark Boy. Alors, j'ai pas noté. Faut que je note au fur et à mesure. Nous avons donc ajouté Mephisto. Cald. Dark Boy. 1, 2, 3. Ensuite. Allez hop, Etirac. Je crois que je ne l'ai pas encore rajouté, Etirac. Donc on note, Etirac. Ensuite, le suivant, qui s'appelle pour l'instant Alex, dont le nom va devenir... Le truc, c'est que j'arrive... En fait, faut que les noms viennent en tête. Bah, Lucas, allez hop, Lucas. Lucas, faut que je note. Voilà, ensuite nous avons en dernier, il me semble que là c'est le dernier qu'on a ajouté. Nous avons qui d'autre? C'est la bonne question. Allez, au Berserker. Hop là. Berserker, et normalement c'était le dernier. Normalement c'est bon. Donc on va rechercher vers l'arrière. Voilà. On va hop, sauvegarder. Quitter. Relancer le jeu. Je me demande combien de temps ça prend quand je fais ça. J'ai pas pensé à regarder l'heure à chaque fois. Pas très mal de ma part d'ailleurs. Voilà, alors voyons voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Alors nous avons qui? Nous avons Cald, désordre violent. Débordement d'état d'ébriété, viol. Sympa. Pour 4 ans.
Nous avons Mephisto, Volatir, 6 ans. Nous avons Berserker, incendie volontaire, parjure. Nous avons Etirac, pour vol, 10 ans pour vol. Et Lucas, 6 ans pour émeutre et 4 ans pour désordre violent. Je crois qu'on a fait le tour de tout le monde, là, à peu près. Ah non, il en reste un peut-être ici. Non, ça, c'est le préparable de... Non, 1, 2, 3, 4. Il est où, le dernier? 2, 3. Il en reste un, là. Mephisto, Berserker. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a vu Kald. Et Tirac, on a vu Vol. Incendie volontaire par jure pour Berserker. Et Mephisto, voilà la tire. Si on a tout vu. Lucas a émeute, désordre violent. Non, c'est bon, on a tout vu. On peut continuer. Pour l'instant, tout le monde n'a pas de cellules. Andrea a été calmée. Ils s'énervent tous là. Ils sont terribles. Ils ont bouché leur chiotte ou quoi? Pourquoi il y a de l'eau? Il y en a un qui creuse, il y en a un qui creuse. Ah non, c'est Anthony qui est en train de bousiller son... Oh, ce toré... C'est vraiment violent là, hein. Les gens qui se défoulent... Tous ces gens qui vont être en isolement. Tartine va vachement blesser. Ouais, il y a une émeute, quoi. Il y a eu une émeute. Inconscient, on a calmé tellement de monde. BG Summoner qui a voulu se battre aussi. Là il en reste un qui... Est-ce qu'il a une arme? Tartine qui a été arrêté. Oh, cette violence, vous y êtes tous mis. En même temps il y a un problème de nourriture. Donc faut y attendre, Gabriel avait raison. Gabriel avait raison. Bon, pour l'instant personne ne s'est évadé, je crois. Il y a plusieurs qui sont pas en bon état. Trop dangereux de fouiller les toilettes. Anthony court toujours! Ah bah non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Blessé. Bah va à l'infirmerie, d'accord? Comment vous avez essayé de vous rebeller, quoi? Tartine qui a été calmé, ça y est, qu'il y avait de la drogue sur lui. Et on va fouiller tout le monde. Personne ne va en réchapper. Ça y est, ça se calme petit à petit. On a plusieurs qui sont en isolement. Est-ce que parmi les gens qui sont en isolement, est-ce que... on a des gens du renseignement. Ah bien sûr. Aucune forte balance n'est présente dans les salles d'isolement, tant pis. Non mais ils l'ont cherché, on va faire une fouille. On va faire une fouille, qu'est-ce que je vous dise? Hein, ils l'ont cherché. Je trouve pas ça normal, moi. Que vous cherchez à vous rebeller comme ça. Certes, vous avez pas beaucoup à manger, mais je m'en fous. C'est de votre faute. Ça aurait pu se passer autrement, notez-le. Ça aurait pu se passer autrement.
Ça me gratte les yeux. C'est qui là, Isa, qui est bah, la prison, enfin qui est une note à la main. Hein? Aux mains. C'est quoi ce travail? J'ai plus assez d'argent pour prendre un concierge. Et c'est ici une entrée. Une entrée qu'on va mettre. Une porte qu'on va mettre là. Pour commencer. Je crois qu'on n'a pas encore fait le truc du parloir. On a déjà trois machins sélectionnés. On a 66% du repas de faible quantité par jour. Ça y est, ça c'est terminé. Il y a une vieille souche qui traîne là-bas. On va essayer de placer nos objets dedans. Sachant que comme dit l'objectif, ça va quand même être d'en faire un parloir. Table de parloir, voilà. Voilà. Des portes, objet porte, toc. Allez, toc, toc. Et ensuite, il va nous falloir des... Parloir. Voilà, il va nous falloir des objets. Comment ils avaient placé déjà? Table de visiteur, voilà. Ici. Une porte de prison là. Voilà. Les gens qui débarquent alors qu'il n'y a même pas d'électricité quoi. Tout va bien. C'est bon, tout le monde est calmé maintenant là? Ah là là. Quand je pense qu'ils ont essayé de faire une émeute quoi, les gens. Ils ont pas honte. Hein. Vraiment pas. J'ai pas de sous. Je peux avoir des sous, s'il vous plaît? C'est important, les sous. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire remonter jusqu'à là-haut. Je sais pas s'il faudra que je prévoie une deuxième cantine. Qu'est-ce qu'ils foutent tout cela, les gardiens?
Normalement, à 4 cellules en plus, je devrais être en mesure de régler cette question-là. Pour l'instant, un seul prisonnier a été relâché. C'est pas étonnant vu comment ça se passe, hein. Ah oui, au fait, j'y pense. Fou général. On va voir si vous faites plus, si vous faites les malins. Non mais oh. On a trouvé plusieurs trucs, mais quand même, c'est pas une raison. Ça, vous êtes quand même calme, hein. Il n'y en a pas tant que ça des trucs à récupérer sur vous. Des ciseaux, bravo les gars, bravo. Il y en a qui essaient de se barrer. Bravo, je vois, hein. C'est pas joyeux, joyeux tout ça, hein. Carrément une perceuse, bravo. Qui c'est qui avait piqué une perceuse? C'était Némésis. Ah, le cafeteur qui a carrément une perceuse, le mec, quoi. Qui c'est qui avait le marteau? Rugilac. Ça va toujours? Quelqu'un qui avait de l'alcool. Qui c'est qui avait de l'alcool? Enfin, une bouteille, c'était quoi? Une bouteille de quoi? Ah, du poison. Qui se cachait avec du poison? Ninpo-sama avait du poison sur lui. Non mais. Ninpo. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non, 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 annulé. Tournevis. Non, mais oh, ça fera moins les malins. Voilà. C'est bon, on avait quasiment tout le monde. Ah mais ils ont droit de pas être contents s'ils veulent, hein, là, pour l'instant c'est réglé. Ça change pas le nom du jeu sur Twitch, normalement je l'ai changé. Ou alors c'est que ça n'a pas pris en compte sur Twitch. C'est possible, hein. Peut-être fait une mauvaise manipulation, je ne sais pas. Ah, encore du poison. Planqué dans la salle, dans la chambre de je sais pas qui d'ailleurs. Vous avez quand même piqué pas mal de trucs, hein. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête de vous faire confiance. Bon, rassurez-vous, d'ici quelques minutes, vous aurez droit à 3 repas par jour. Service, j'ai ça en tête, c'est terrible. Électricité. Quoi, on est par ici. Et avec ça, s'il vous plaît, je voudrais hop, construire comme ceci. Voilà. Comme ça, on pourra faire balader les gens par ici. Il reste un endroit où fouiller, pourquoi? Quel est un endroit qui reste à fouiller? Pas bien, les gars, pas bien. Tu,
C'est l'électricité est arrivée jusqu'ici, nickel. Comme ça, je pourrais commencer à faire déplacer les gens ici. Et après, servir 3 repas de grande quantité et d'importance variée par jour pendant 2 jours. Par contre, il reste toujours une place à fouiller et c'est laquelle? À 29 sur 30, où est-ce qu'il y aura encore un endroit à fouiller? Je vois pas l'un des lieux qui aurait pas été fouillé. Ça me paraît bizarre du coup. Yeah, baby, matériaux. Ça me dit rien là comme ça, Gilak. Voilà, et maintenant déploiement. Toc et toc. Comme ça, je me sens plus tranquille, j'ai l'impression que c'est surveillé dans ce coin-là. Pourquoi il y a ça là? Pourquoi ce mur est gris? Non, c'est bon. C'est qui ça? Lucas. Qui a fait des siennes. Bon, il reste toujours un endroit qui n'a pas été fouillé. Ce n'est pas du tout rassurant, ça. Là, je pense qu'on va essayer de mettre un magasin. Aussi. Qu'est-ce qui nous manque de toute façon comme pièce? Une bibliothèque, salle de conditionnel, foresterie, bibliothèque, magasin, atelier, sécurité. Ça me semble bien ça. La fouille. 17 prisonniers ont été fouillés inutilement récemment. 11 sanctions ont été décidées. Et 93% d'ici quelques minutes, on va pouvoir passer à autre chose. En termes d'organisation pour les repas. Certains là. On a tellement de bois, faut faire une scierie. Faut qu'on arrive à construire l'atelier. Par contre, il me reste que 7 000 $, j'ai pas les moyens avec ça. Ça sent pas bon. C'est la banqueroute, c'est la fin. Peut-être arrêter de faire les dépenses. Et on attend de voir ce qui se passe.
un jeu de gestion dont... Attends, je vais essayer de noter le nom. Tu me dis que c'est Domina. Domina. Tu connais, hein? Toujours à côté du poêle. Ça me reste dans la tête depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me le sortir. Domina. Faudra que je regarde à quoi ça ressemble. Le problème, c'est que je ne suis pas que sur Twitch. Donc du coup, j'aime pas trop les trucs où ça... Faudrait que ça puisse utiliser toutes les plateformes que j'utilise, en fait. Toujours à 29, c'est-à-dire que personne ne s'est échappé pour l'instant. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, les bureaux de vos agents de sécurité, là. Il manque quoi? Bureau, chaise, classeur. On va faire un mur de classeur et des bureaux. Il y a eu une émeute, il y a eu une révolte qu'on a calmée, et il y a Mirage qui a réussi à partir. Pas à s'évader, hein, à partir, elle a eu son ordre de libération, gros. Je suis pas sûr que ça vaut le coup d'accueillir de nouveaux prisonniers, là. Je crois qu'on va laisser passer pour ce tour-ci, parce qu'on est déjà pas, on est déjà assez nombreux. Je crois qu'on gagne 84$. On va accueillir 5 nouveaux et après on verra. Ah, ça y est, j'ai terminé ça, donc faut que je change les repas. Rapport. Mettre le jeu en pause. Voilà. Régime. Donc on va commencer par cellule. Plutôt, on va décaler d'une petite heure. Douche, douche. Repas, 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 non pas repas, cellule, voilà, faut qu'on change, voilà, et qu'on mette en élevé je crois, voilà, 30$ par jour. Voilà, on est bon. Normalement, ça va pouvoir commencer dès maintenant. Ils vont se réveiller avec le droit à un repas, quoi, quand même. Si c'est pas cool, ça. Il est clair, d'ailleurs. Régime. Donc là, c'est la fin des douches, normalement. Donc j'avoue, je sais pas trop à quoi sert la salle de... Cette salle-là, en fait. On verra bien. Mais ouais, les prisonniers ont essayé de se rebeller à un moment donné. Je crois pas qu'ils aient tué de gardien. En tout cas, il y en a qui se sont barrés. Enfin, il y a Mirage qui s'est barré, quoi, c'est tout. Pour le reste, ça a d'aller. Peut-être que je pense à faire une cour plus grande à un moment donné. Ce qui serait bien, serait que j'arrive à grandir par là. Et que là, je place un atelier. Un grand atelier. Ça me semble plutôt pas mal, ça, comme idée.
Bon, ce repas était pas tellement prévu. Peut-être pas grand chose à manger, ils sont en train de faire à cuire. Peut-être que je mette des gicleurs aussi dans la cuisine. Le service d'eau passe bien par en dessous, donc on va faire comme ça. Ah, les nouveaux arrivants sont là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, c'est parti. On sauvegarde. Sauvegarder prison. Sauvegarder. Quitter. Pum 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 pum. Alors, on était là. Prisoner. Et Tirac, suivant. Prisoner. Cald, suivant. Bon, ouais. Et ils sont pas dans l'ordre. Ah, c'est parce que je suis en train de remonter. Quel quiche. On a Cald. On a Etirac. Berserker. Qu'est-ce que c'est là? Ça y est, prisonnier. Christopher Bird. Alors, qui pouvons-nous bien mettre cette fois-ci? On va mettre Alice. Je crois que je l'avais pas encore mis Alice. J'ai pas l'impression. Donc au pire, on aura deux Alice. On verra bien. Donc Alice, c'est fait. Suivant. Prisoner. Tuck. Alice. Ensuite, on peut mettre qui? Allez, au Didoun. Suivant. Didoun. Là, on a... Toc. Hop là, et on va mettre Salorium du coup. Salorium, suivant. MSC. Ça va, on a encore de la marge, on peut en cueillir, hein. En fait, je suis en train d'y penser, vous êtes large, à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut que j'arrive à penser à tout le monde, et ça, c'est pas pratique. Bah tiens, on n'avait pas Bérégon la dernière fois, donc Bérégon. Je crois que c'était le dernier. Voyons voir. Ça fait bien le bon nombre. Ok, c'est bon. On enregistre, on recharge la partie. On a 38 minutes, donc de toute façon, on va pas tarder à couper pour la rediffusion. J'aurais peut-être dû aller voir sur Skype si Obi m'avait parlé ou non. Non. Ok. Extra, chargé prison. Et normalement, tout le monde sera là. Alors voyons voir. Bérégon, condamné pour homicide, 21 ans. MSC, 15 ans homicide, 12 ans homicide, parjure 3 ans. Il a plaidé coupable pour tous. Ensuite nous avons le prisonnier Salorium, qui a été condamné à 4 ans pour enlèvement, et qui a déjà purgé un certain nombre d'années de prison. Donc c'est un récidiviste. Ensuite nous avons Didoun, qui est condamné à 3 ans pour agression. Et nous avons Alice qui est condamnée à 4 ans pour délit d'initié, c'est ça. Voilà. Ça a commencé à faire du petit monde, hein, mine de rien. Par contre, je suis à moins 92, comment ça se fait? Ça doit être à cause des repas. 3 repas par jour. On est à moins 92. Peut-être qu'on pourrait faire la boutique ici.
En tout cas, on a atteint les 40 minutes de rediffusion, donc on va faire une courte pause ici. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappcjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Salut.